Salam alaikum les amis snappers, snapchatteurs, snapsappeurs. J'espère que vous allez bien les frères. Voilà, je reviens vers vous pour l'événement de ce soir, donc avec Screech. Salam alaikum les amis. Malheureusement, pour des raisons personnelles et des raisons que je ne peux pas vous expliquer, l'événement de ce soir sera annulé. De Screech ce soir au 555 sera annulé. Ça n'a rien à voir avec ni Bassem, ni moi, ni les patrons, ni tout ça. Voilà, maintenant l'événement, on va l'annuler pour des raisons personnelles encore une fois. Alhamdoulilah à vous, merci, salam alaikum. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Donc comme je vous ai un peu dit dans la story, j'ai eu le disque de jockey, j'ai eu les mecs qui tiennent la boîte. Je les ai eu déjà hier au téléphone aujourd'hui, là je les ai eu aussi encore. Bon, qu'on soit bien clair entre vous et moi. Qassam billahi l'azim, ces gens-là, malgré qu'ils sont dans le monde de la soirée, malgré qu'ils sont dans le monde, ils font leur argent comme ils veulent. Moi, je demande à qu'on respecte ce genre de personne. Parce que c'est de lui-même qui m'a appelé et qui m'a dit ça. C'est de lui-même qui m'a dit, voilà, moi, c'était une soirée où je devais lui payer 3000 euros, je lui ai donné 1500 euros, je m'en bats les couilles, je m'assois dessus. Je m'assois dessus parce que quand j'ai rencontré des gamins de mon petit frère, des sahabs à mon petit frère qui m'ont dit on va pas se rentrer dedans pour lui. Parce que wallah wallah les frères et sœurs, moi je dévoile pas tout, je dis rien. Là-bas à Bruxelles, c'est des découpeurs, je les connais. J'ai reçu des vidéos, j'ai reçu, je sais qu'ils parlent jamais pour rien dire. Même à Lyon, il y a une équipe qui est descendue à Lyon. Dans le concert de Booba, ils étaient là. Wallah l'azim, c'est des gens, voilà. Les frères de Bruxelles, vous savez comment ils sont, c'est des maghrébins durs, des maghrébins fiers. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que c'est malheureux qu'on en arrive à là. Lui-même, le DJ, il savait pas qu'il avait toutes ces embrouilles-là. Le DJ, il connaît pas. Le DJ, il s'est dit, attends, lui, il plaît aux petites minettes, je vais le ramener. C'est normal, il veut faire un peu de profit. Mais tu vas faire des profits avec qui? Avec un clochard qui va te ramener des embrouilles. Avec un clochard où, quand lui va rentrer à Paris en disant, moi, j'ai chanté, eh ben, c'est toi qui vas recevoir à la fin tous les jours. Là, ce que t'as fait, wallah, tout le monde le voit et tout le monde le retient. T'es un bonhomme. Même si les gens ils disent « Non, nous on le connaît, il est de Bruxelles, c'est un fragile, on s'en bat les couilles, t'es un bonhomme. » À aucun moment, il m'a dit « Bassem, j'annule parce que voilà, il y a la pression. » Non, il m'a dit « J'annule parce que je suis un enfant de Bruxelles. J'annule parce que j'ai pas envie de m'embrouiller moi-même avec les gens de chez moi. » Est-ce que vous comprenez? C'est pas par crainte qu'il a annulé, c'est par intelligence. Parce que, hein, wallah, je le jure, devant Allah, ça serait parti en couille. Je les connais, je sais comment ils sont, moi. Je sais comment ils sont, toute la journée, ils étaient sur les dents. Ils attendaient que ça. Donc voilà, c'est dommage qu'on en arrive à là, mais comme je me répète, on est obligé pour l'honneur du Maghreb, pour l'honneur de nos petites sœurs, pour l'honneur de nos familles, pour l'honneur des vrais frères blacks qui, eux, ne cautionnent pas du tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je lance ce message-là. Et c'est ce message-là que j'aurais dû lancer après le concert de BO de Zub. Les frères blacks, sur la tête de ma mère, ils ne vous représentent pas. Sur la tête de ma mère, vous n'avez rien pour l'honneur du Maghreb, pour l'honneur de nos petites sœurs, rien à voir avec lui. Même si on est contre le métissage, vous restez nos frères dans les quartiers, vous restez nos frères au travail, vous restez nos frères au HEPS, vous restez nos frères tout court. Ce message-là, et ça n'a rien à voir avec lui. Avant, les rappeurs, ils unissaient les gens. Les Robeux, les Renois, ils s'unissaient entre eux. Maintenant, les rappeurs d'aujourd'hui, ils font tout pour nous séparer. Parce qu'il faut bien vous dire dans votre tête, il n'y a pas que ces followers qu'ils ont en disant « Oui, tain, ça pète sa mère. » Non, il faut avoir deux sons de cloche pour faire une musique. Là, vous avez eu un son de cloche. Le son de cloche de tous ces fils de pute de fans qui sont là. Et le deuxième son de cloche, il aurait dû arriver ce soir. Là. Mais bon, alhamdoulilah, on a évité le pire. Et c'est ça le plus important. Parce que finalement, à la fin, ça serait parti en couille. Lui, il serait rentré chez lui. Ouais, moi, je vais chanter et tout le reste. Oui, t'inquiète pas. J'ai reçu ton vocal où tu disais, t'inquiète pas, Bassem, on va l'éteindre ce soir à Bruxelles. Tu vas éteindre quoi? T'es planqué dans le 9-4. Reste bien dans le 9-4. Screech, reste bien dans le 9-4. Je t'ai déjà dit, la tête de ma grand-mère, que je t'en veux pas. Je t'ai déjà dit, j'ai rien contre toi. Mais ta musique de fils de pute, elle passe pas. C'est impossible. J'ai déjà dit, hein, tu te feras enculer. Parce que nous, on n'aime pas, on ne veut pas. On ne veut pas. Vous vous rappelez quand il y a un rappeur qui a chanté Beretta Khel, je ne me rappelle plus de ce rappeur-là. Vous avez déjà dit, vous avez failli le manger tout cru. Vous avez failli le manger tout cru. Parce qu'il reste des Renois fiers. Donc, il faut se mettre à notre place. Donc, si tu ne veux pas comprendre, tu te feras enculer.
comprendre, on te fera comprendre des choses par la force. C'est dommage qu'on en arrive à là, mais on est obligé. Il y a des gens qui ont la haine, qui ont une haine noire, et c'est pas que les hommes, beaucoup de femmes aussi. Là, vous avez fait aussi. Donc je m'adresse à toutes les petites putes aussi qui voulaient bouger leur cul ce soir et leur fouf. Restez chez vous, restez chez vous, mettez vos pyjamas Mickey, bande de putes, ou allez prendre, on te fera ailleurs. Allez dans une autre boîte. Donc je m'adresse ailleurs. Allez dans une autre boîte. Donc moi voilà, je tiens à vous dire une chose, une dernière fois, big dédicace à ce disque jockey qui a su être intelligent pour éviter un bain de sang. Big dédicace à toutes ces personnes-là qui allaient se mobiliser, mais ça on en reparlera pour autre chose. Et une dernière fois, j'espère que les frères Black ont très bien compris le message. Oui, à l'époque je m'exprimais mal parce que je mélangeais tout. Maintenant j'ai compris plein de choses. J'ai compris plein de choses parce qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs Black qui me suivent. Même si on n'est pas d'accord sur des sujets, on se suit entre nous. On vient du même bitume, du même quartier. Et ceux qui divisent les communautés, ce n'est pas les gens comme moi. Moi, je divise la communauté des caves. Ceux qui divisent les communautés, c'est ces gens-là. C'est eux qui essayent de nous diviser, d'engendrer la haine, engendre la haine. Nous, on protège la Ouma, on ne protège pas la Ouma des caves. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Donc voilà, DJ Karimi, respect à toi, les frères de Bruxelles te serreront la main. Et Inch'Allah, demain, même si demain t'organises des soirées, hop, on te fera de la pub. Wallah, on te fera de la pub. Même si moi je mets pas le pied en boîte, on te fera de la pub. Merlich, c'est ton domaine, tu travailles dedans, tu voles personne. Bref, chacun voit comme il veut. Mais là, c'était simplement symbolique. Big dédicace à tous les frères de Bruxelles. À tous les frères de Lille qui étaient sur la route, ils se sont arrêtés sur une aire d'autoroute, ils m'ont envoyé les snaps. T'es sérieux, Bassem? Ils ont ouvert le coffre. Fermez le coffre, putain! Non, restez à la...